depuis la rentrée, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte également le vendredi. Si vous vous trouvez dans une situation un peu compliquée et que vous souhaitez avoir un éclairage extérieur, vous pouvez appeler jusqu'à 1h le 39-21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Pauline. Nous parlerons ensemble, bien sûr, et vous pourrez aussi recueillir l'avis de celles et ceux qui nous font l'amitié d'être à l'écoute de l'émission. Et à tout moment, vous pouvez intervenir en appelant le standard au 39-21, en envoyant un courriel sur le site europe1.fr ou un SMS au 7-21-21, code nuit. C'est Emmanuel Brondeau qui réalise cette émission ce soir. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage, d'émotion. 39-21, je vous attends. Renan Luce, la fille de la bande. Et un petit message de Sergio pour Manu qui lui dit sayonara Manu. Il vous répond arigato. Gozaimasu. Et oui, vous savez, le vendredi, c'est japonais, hein, avec Manu qui est aux consoles et qui adore cette langue. Cela dit, sayonara, c'est au revoir, hein, mon cher Sergio. Mais en tout cas, c'est l'intention qui compte et elle est fort délicate. Allez, on accueille tout de suite Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Et ça me fait plaisir de vous revoir parce que je vous avais eu il y a déjà, je vous avais un peu laissé de côté, mais c'est tout en vous écoutant parce que je travaillais de nuit à l'époque et oh, je ne vous en veux pas. L'important c'est que vous reveniez vers moi. Oui oui, je vous ai toujours écouté là par le PC en europe.fr, donc c'est pratique. Oui. Et donc voilà, là je vous ai appelé, c'était pour voilà pour faire part de mon. J'ai un fils qui est ado, qui est charmant tout plein, il a un apprentissage de boulangerie. Oui. Avec moi, ça se passe super bien. Il a quel âge, alors? Il a 16 ans, il a eu 16 ans le 25 avril. Mm-hmm. Et donc, il a attaqué son apprentissage, tout se passe bien, mais le reste de l'été, c'est passé chez sa mère un peu compliqué, il se fait des tocs, sa mère est toujours derrière. Alors, ces tocs, c'est se laver les mains plusieurs fois, jeter des Kleenex par terre. Alors moi je l'ai un peu parlé, mais bon, il comprend pas pourquoi lui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour l'embêter. Ça se passe très mal. Elle fait rien avec lui. Comme on a divorcé depuis 96, bon, ça fait déjà un bail. Mais je sais pas. Il a c'est votre ex-femme qui vous en a parlé? Pardon? C'est votre ex-femme? Oui, elle est constamment en train de m'appeler parce que elle râle sur lui quand il va se laver les mains plusieurs fois. Ça peut. Marqué, on va être nombreux, hein, cet hiver et même déjà maintenant à avoir ce toc-là, se laver les mains plusieurs fois par jour. Oui, il y en a un paquet. Donc j'ai dit laisse-le, ça va lui passer. Moi, étant jeune, j'étais maniaque pas à ce point-là, mais. Il n'a pas la même attitude chez vous. Ah non, chez moi. Puis alors, on est allé en camping cette année, il a même pas fait. Chez moi, ça se passe que j'ai une réponse que je fais à sa mère. Chez moi, il a des règles. Il sait ce qu'il doit faire et pas faire. Point barre. De tout petit. Donc elle a jamais mis des barrières. Je dis ben maintenant. Oui. Pour lui en mettre, je te souhaite bien du courage. Oui, vous avez raison. C'est petit qu'on met les règles. C'est très compliqué à l'adolescence d'essayer de les instaurer, puisque c'est le moment où, justement, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est les contourner. Alors, à un moment donné, elle me parlait de lui faire de la psychose, de l'hypnose. Je suis un hypnotiseur. J'ai dit, je veux bien, mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Un psychologue, il a été suivi, ça lui a fait un peu du bien, parce que ça lui a fait parler et tout. Mmh. Il est suivi par un éducateur, parce que bon, ça se passe vraiment mal. Là, ça s'est un peu calmé, ce qu'il vient de reprendre, ça fait une semaine des cours. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que on a l'impression, enfin, vous nous dites que vous n'avez pas du tout le même garçon que votre ex-femme. Ah ouais, pratiquement. Mais bon, c'est vrai que je l'ai très peu. Je l'ai le week-end, comme tous les pères divorcés, oui, 3-5, les vacances. Donc, c'est pas évident. En plus, je suis en dehors de l'agglomération où j'habite. Je suis de la région de Grenoble. Moi, je suis un petit peu en dehors. Donc, ça fait que la plupart du temps, il est chez sa mère. Mais le week-end, je le prends comme un père divorcé. Voilà. Et
Quand je l'ai, ça se passe bien. Et alors, là, quand vous l'avez eu en vacances, vous n'avez pas observé qu'il se lavait les mains continuellement? Non, non, rien, rien. Le matin, il a été faire sa toilette et puis terminé, quoi. Oui, même vous trouviez qu'il se les lavait peut-être pas assez. Par rapport à ce qu'il vit. Moi, ouais. Je m'en rends même plus compte parce que je le vois tel quel chez moi. Donc. Bon, c'est plutôt bon signe parce que généralement, quand on a des tox, c'est... C'est tout le temps. Et oui, on n'arrive pas... Et quand je vais chez des amis ou chez des cousins, ça nous est arrivé d'aller chez les cousins, ils se lavent les mains normalement, quand ils sortent des toilettes, quand ils vont manger, quand ils... Oui, les cousins n'ont pas remarqué le comportement. Peut-être qu'il est angoissé quand il est chez sa mère. Ou angoissé, ou alors, à mon avis, il a peut-être une dent contre sa mère. De quoi, j'en sais rien. Lui, ça trouve non plus, elle non plus. Visiblement, ça se passe pas bien entre eux. Je crois qu'il faut croire votre ex-femme quand elle vous le dit. Dessus. C'est limite s'il passe pas dessus. Donc moi, voilà mon intervention. Ça va pas. Quand je vais chez elle, j'interviens, je lui dis arrête de faire ça avec ta mère. C'est quand même ta mère. T'as pas lui parler mal. T'as pas lui lever la main. Oui, c'est bien que vous lui disiez cela. Mais c'est pesant, C'est pesant parce que bien qu'en ne vivant plus avec sa mère, vous lui rappeliez quand même les interdits et le fait qu'il n'a pas à mal lui parler et encore moins, évidemment, à éventuellement lever la main sur elle. Enfin, ça. Et là, je suis content qu'il ait repris l'école, l'IMT, enfin, il est son patron cette semaine, parce qu'autrement, je lui ai payé la conduite accompagnée, il n'allait même pas à la conduite accompagnée. Il était pas bien, il allait au cinéma. Oui. Ce qui est bien. Oui. Mais il allait voir les mêmes films. Il les avait tous vus, il allait les revoir parce qu'il s'ennuie. Il a pratiquement pas de copains. C'est un fils unique. Il a fait du foot, il a arrêté le foot. Parce que c'est comme toutes les ados, c'est un petit, j'ai pas rien contre les ados, mais c'est des feignants, il faut les amener au bus, ils connaissent pas, il faut les amener en voiture, enfin bon voilà quoi. Il a arrêté le foot. Et pourquoi il a arrêté le foot? C'était un peu, il y avait l'école, c'était le collège, il s'est trouvé ses excuses, mais moi je pense plutôt c'est un peu de la feignantise, comme ils ont tous ces ados, il faut les amener en voiture. Oui, c'est ce que vous m'expliquez, oui. Ouais. Donc, j'ai dit, écoute, tu vas arrêter le foot, t'arrêtes le foot, c'est toi qui en fais, c'est pas moi, Donc là, maintenant, ils se retrouvent, les copains de collège, ils ont leur petite vie à eux, ils se voient très peu en dehors, comme ils font tous, et alors, ils pianotent que sur MSN avec ses petites copines, ses petits copains, et c'est tout, quoi. Ça s'arrête au clavier informatique. Donc, il a quand même des amis. Voilà, il a des amis, mais que par MSN. Il les connaît pas, c'est des filles ou des garçons qui sont virtuels sur comment ils font les jeunes sur MSN. Oui, mais vous me dites qu'il n'a pas, c'est des dialogues virtuels, il ne connaît pas. Ou alors par SMS quoi, ou MSN ou par SMS quand ils s'échangent les téléphones. Alors voilà quoi. Bon, alors qu'il soit quand même en lien avec d'autres jeunes. À part le collège, où là où il est maintenant à l'IMT, il se voit comme ça, ça se passe bien, mais il n'y a pas de suivi derrière, il ne se voit pas en dehors du coup de l'école, ni rien, voilà quoi. Alors c'est pour ça que j'avais trouvé un peu bête qu'il arrête il y a 2 ans le foot, parce que j'y voyais gros, c'est un fils unique, dans sa famille, chez sa mère, il n'y a que des tout-piaux, des tout-petits, il a 16 ans, c'est pas son... C'était bien. Et puis il y a un autre truc, c'est que ça se passe pas trop avec sa mère maintenant, ça se passe pas trop mal. Oui. J'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, mais la famille ne veut plus me voir. Et ça, ils ont trouvé à lui dire devant lui. Ils ont dit sa mère, nous, Alexandre, on ne veut plus le voir. Donc c'est un truc ça qui aurait jamais fait. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et à Noël, moi j'ai un voisin, pour prendre un exemple, un voisin qui m'a, c'est un ancien boulanger aussi, et il m'a fait des bûches. Il m'a dit, je t'en veux. J'ai dit, j'en prends une pour mon fils, qui partage avec Noël avec sa mère. Oui. Donc je lui demande son parfum, elle voulait praliner, donc je lui fais faire une bûche. Oui. Il me l'a offert tout, je lui donne. Et il n'y a que lui et sa mère qu'on a mangé.
les beaux-parents, la famille, ont dit, ben non, ça vient d'Alexandre, on va pas manger, on a peur de se faire empoisonner. Donc tout ça, j'ai dit, c'est des ridicule. Mots. Ridicule. Ah ouais, c'est vraiment ridicule, puis ridicule encore, on s'en fout. Oui, surtout qu'il devait être heureux. Mais psychologiquement, pour le gamin... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, il devait être content de venir comme ça, d'amener une bûche, enfin, c'est bon. Ah ouais, moi j'ai fait ça, c'est pour le gamin. C'est vraiment, c'est mesquin. Ah ouais, c'est bête. C'est très mesquin, oui. Et je pense que c'est tous ces petits trucs que le gamin il supporte. Ben oui, parce que en vous dénigrant de cette façon, voilà. Là, il porte atteinte aussi à leur neveu ou à leur petit-fils. Enfin, c'est parce que lui il vous aime, donc ça lui fait du mal aussi, ça le touche. Ouais. Alors il leur dit rien, mais moi je pense que c'est toute une rébellion contre elle qu'après qui se passe, quoi. Je suppose. Et là, je suis content qu'il ait repris les cours à l'IMT, puis chez son patron. Ça, c'est bien. Oui, c'est lui qui a choisi cette formation. Ah ouais, il est à fond dedans depuis. Moi, je voulais le prendre avec moi. Je fais de la peinture. Bon, j'étais des gardiens, mais je fais de la peinture. Puis j'avais des petits chantiers. Oui. Et je l'ai pris 2-3 fois avec moi. Il m'a dit, papa, on fait pas père et fils. Hein. C'est bien gentil, c'est pour dépanner, mais... Oui, oui. Mais en même temps, ça montre qu'il a de la personnalité, il a des projets, il a un désir, enfin... Là, en course année, il m'a aidé, on a fait un portail, on a rénové un portail, il a peint des barreaux, enfin bon, il s'est bien débrouillé, mais il m'a dit, ouais, c'est juste pour t'aider, quoi. Bon, en tout cas, en plus, il a été content, les clients lui ont donné une petite enveloppe, il était tout heureux, quoi. Et c'est pas possible qu'il vienne, si ça se passe si mal que ça avec sa mère, vivre avec vous? Ben, le problème, c'est que je suis à 28 km de l'agglomération, je suis à la campagne, il n'y a qu'un bus qui vient une fois tous les heures. C'est pas très pratique. C'est pas évident, il n'y a plus rien à mon village en plus, il n'y a vraiment plus rien, donc je ne veux pas le faire souffrir là-dessus, c'est un gamin qui a vécu à la ville. Oui, la campagne, c'est pas l'idéal pour les adolescents. C'est pas l'idéal. Donc, il a sa petite chambre chez sa mère, il est sympa. Apparemment, il est pas très bien, d'après. Enfin, c'est votre ex-femme aussi qui le dit. Ça ne se passe pas très bien. La relation qu'il a avec sa mère, que ça se passe un peu, ça va durer bien pendant 3-4 jours, et puis après, bon, ben. Et depuis combien de temps c'est comme ça? Depuis 3-4 ans, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous en dit, lui? Parce que ça, c'est votre ex-femme qui vous en parle. Comment il en parle, lui? Je lui ai posé la question, comment ça se fait que tu fais tes tocs chez ta mère, que tu te laves les mains, comme elle dit, tes serviettes. Quand il se lave les mains, il met tout de suite la serviette et il la balance dans la salle, dans la baignoire. C'est assez dur, hein, parce que bon, elle en a un peu marre. Bon, je la comprends, mais je peux pas résoudre ce problème, moi. Non, mais comment Il me dit, j'en sais rien. Pourquoi je fais ça? Mais est-ce que dire alors, comment, je sais pas trop. Comment ça se passe? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu te sens mal? Par contre, là, il y a un truc, et récemment, juste avant qu'il reprenne l'école, et pour ça, je suis content qu'il a repris ses cours, et chez son patron en même temps, parce qu'à un moment donné, comme il est fils unique, qu'il avait personne, il s'ennuyait, j'ai personne, j'ai pas de frères et sœurs. On sentait qu'il avait une angoisse de solitude, quoi. Parce qu'en plus, il a eu deux petites copines qu'il a connues sur MSN, qui s'étaient attachées, une derrière les autres. Bon, il a eu une histoire, ça n'a pas duré. Elle l'a pris pour un imbécile, bon... Mais des petites copines virtuelles, alors? Ouais, toujours virtuelles. Et donc, c'est vrai que quand ils discutent comme ça sur MSN, ils étaient contents, ils s'étaient échangé leur téléphone. Oui. Et donc, ils s'envoyaient des SMS, ça a duré... la première, ça a duré un an, et la deuxième, par contre, je lui dis, fais attention, parce que ça se trouve, ça va faire pareil. Et moi, j'ai voulu, elle était soi-disant chez sa grand-mère dans la Sarthe. Oui. Je lui dis, si tu veux, cette année, on t'emmène. Je l'ai emmenée, mais elle l'a rappelé 15 jours après, et elle avait soi-disant perdu son portable. Donc, j'ai dit, tu vois, elle s'est un peu foutue de toi, ou elle a voulu s'amuser, c'est des trucs d'ado, elle avait 14 ans. Je lui dis, écoute, David, ça se comprend, moi, je le comprends. Elle était jeune, oui, aussi. Non, elle était dit, jeune. Elle est jeune, elle a voulu s'amuser. Ans, Mais j'ai dit, fie-toi. Ses parents n'étaient pas forcément au courant, donc voir débarquer un garçon, bon. Et donc j'ai dit, en plus, ça se trouve, elle n'a même pas été dans la Sarthe, nous on a été là-bas pour rien. Parce qu'on a passé du bon temps. Ça serait mieux qu'il investisse un peu dans la vie réelle. Mais voilà, alors je lui ai fait, en l'emmenant comme ça, je lui ai fait réaliser que il s'était un peu trompé, il a vu de lui-même, quoi.
Alors, ben non, mais quand même, il se retrouve. Mieux qu'il sorte. Alors, il va beaucoup au cinéma, oui, vous me dites, il va voir les là, mêmes films. Quel genre de film va-t-il voir? Qu'est-ce qu'il va voir comme film? Vous dites toujours les mêmes, là. Le truc marrant, là, il est allé voir, et d'ailleurs, je le conseille aux auditeurs, c'est Very Bad Trip. Je ne sais pas bien l'anglais, hein. Excusez-moi. Non, non, bah, avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je vous ai compris, là. Voilà. Et donc, il y a ça, et puis, il a été le voir 7 fois. 7 fois? Ah ouais. C'est avec qui, ça? Il aime bien. C'est avec qui, ça, Very Bad Trip? Alors là, les acteurs, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que j'ai aimé, moi. J'ai été le voir qu'une fois. Donc moi aussi, j'adore le cinéma, d'ailleurs. C'est moi qui l'ai un petit peu entraîné là-dedans pour l'occuper, pour... D'accord. Donc c'est lié à vous aussi. Il y a quelque chose lié à vous. Ouais. Parce que bon, moi, je suis passionné de cinéma. Hein. D'accord, oui, il y a... Il reprend pas, il reprend pas l'entreprise familiale, mais il est cinéphile comme vous. Ouais. Ben, je l'ai habitué parce que quand je l'avais avec moi, j'ai pas voulu me priver. Bon, mais il va voir des films plutôt drôles, quoi, plutôt. Marrant. Ouais. Et puis bon, des fois du fantastique. D'accord. Comme style Harry Potter ou tous ceux qui font là. Oui, c'est encore encore le bon, monde un peu bien, moi, j'aime bien aussi les trucs de. Bon, il y en a pas trop au cinéma, c'est des trucs de d'angoisse là. Alors bon, maintenant qu'il a 16 ans, il y va un petit peu quoi. Mm-hmm, mais il y en a pas trop au cinéma, donc ça va. Non, ça va. Non, parce que c'est intéressant de voir justement quel genre de film. Ah mais il adore rigoler, ça, hein. C'est facile. Mais il a l'air d'aller plutôt bien, votre par ailleurs, votre fils. Je trouve. Ah oui, dans ce que vous me dites, vous. Pardon. Dans ce que vous me dites, vous, il a l'air d'aller plutôt bien, votre fils. Oui, il y a juste ce conflit que moi, il me fait souci parce que bon. Alors, j'espère. Alors, moi, je vous dirais juste une chose par rapport à l'hypnose. Hein. Bon, ce sont les méthodes d'autosuggestion. Ça marche pas. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt, ouais, puisqu'elle vous demande de conseils par rapport à ça. Vous me dites qu'à un moment, il avait vu, il avait commencé une psychothérapie qui lui avait fait du bien, qui lui avait permis de parler. Pourquoi, si elle veut, et on peut comprendre, hein, parce qu'il y a dans leur relation à tous les deux une vraie difficulté. Donc c'est quand même elle qui l'a au quotidien. On peut comprendre que ça soit difficile à gérer. Pourquoi à ce moment-là ne pas voir quelqu'un qui aille en parler, voir peut-être faire quelque chose. Ah, il est suivi actuellement. Il est suivi par un éducateur. Ça s'appelle La Paz, il y en a peut-être un peu de partout. Alors c'est un éducateur, oui, c'est un peu différent. Et ils sont aussi habilités psychologues. Donc ils s'occupent d'ados et tout, ils ont l'habitude. Ouais. C'est vrai que ça a porté un peu ses biens, mais ça s'arrête à l'entretien. Parce que dès qu'ils se retrouvent avec elle, c'est rebelote et boule de gomme. Quoi. Mais oui, mais donc on voit bien que ça ne marche pas sur le moyen long terme. Ah ouais. Enfin, ça fait combien de temps qu'il est suivi par l'éducateur? Oh, ça fait 2 ans, quoi. On l'a mais oui, donc on voit bien que c'est pas... Enfin, ça doit être important pour lui. Elle vit seule, votre ex-femme, avec lui? Oui, elle n'a pas refait sa vie, elle n'a jamais... Oui, mais moi, je vais vous dire, il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu angoissant dans ce tête-à-tête. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de conflits qui naissent à ce moment-là de la vie entre les garçons... Et leur mère. Oui, il fait le petit homme chez elle. Ouais, à la fois il fait le petit homme, mais en même temps il y a des choses un peu plus complexes qui sont en jeu. C'est que, oui, parlant d'homme, effectivement, c'est un adolescent qui est du coup en pleine mutation, à la fois, c'est fait déjà physique, évidemment, psychique, qui est traversé par des pulsions, par des désirs, par des pulsions sexuelles, et être trop proche de sa mère, c'est angoissant. Or, vous dites effectivement 3-4 ans, ça commence à être difficile. Ben oui, ça correspond au moment de la puberté, au moment de tous ces changements, et où pour se détacher un peu de la mère, ça passe par de l'agressivité.
Parce que, je vous dis, et c'est là où c'est très difficile parfois pour les mères qui se retrouvent seules comme ça avec leur garçon, c'est qu'elles passent du petit garçon tendre, câlin, qui faisait des bisous, pour qui maman c'était la plus belle. Exactement, parce qu'elle me dit quand il était petit, il ne faisait pas ça. Évidemment, mais quand il était petit, la relation, elle était sexuée, mais sexuée autrement. C'est-à-dire que maman, il allait se marier avec elle, mais il n'était pas lui-même traversé par tous ses désirs. Or là, c'est un adolescent qui est traversé par plein de désirs, par plein de pulsions qu'il ne peut pas réaliser. Encore, forcément, puisque vous voyez bien que, semble-t-il, d'après ce que vous dites, il n'a pas encore de petite amie, ça passe par MSN, par bon. Et donc, la relation trop proche avec la mère, c'est angoissant, et du coup, ça se transforme souvent en agressivité, en conflit, en heurts avec elle. D'autant plus quand il n'y a pas un homme qui tient lieu de père, ou le père, évidemment, quand le couple est séparé, présent. Ouais, donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, souvent, hein, quelque chose d'un peu oedipien qui se rejoue, mais à l'envers. C'est peut-être, alors, ça veut pas dire que, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de grave qui est en train de se jouer, est pas simple à vivre. Parce que là, vous voyez, il a repris les cours, il a repris sa semaine de patron, hein. Là, il est chez l'employeur. Eh ben, ça se passe super bien. Elle m'appelle plus, hein, c'est tous les soirs, jusqu'à 11h, des fois avant qu'il se couche. Tout l'été, il s'est couché, parce que bon, moi, je l'ai rendu, parce que vu que j'étais à la campagne, j'ai repris des boulots, j'ai pas voulu trop l'emprisonner dans ma campagne. J'ai dit, ben, écoute, tu retournes chez ta mère, t'es près des cinémas, tu es près du code. Bon, il a pas été au code, bon, ben, tant pis. J'ai dit, comme ça, tu vas à la ville et tu restes tranquille. Mais à côté de ça, il s'est couché à 3-4 heures du matin, écouter de la musique. Elle a eu des nuits blanches sans plus finir, quoi. C'est pour ça que je vous demandais, bon, mais il se trouve que c'est pas forcément une bonne chose si vous pouviez pas, vous, à ce moment-là, l'avoir vivre, enfin, le prendre un peu avec lui, parce que ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que maintenant, il a son patron qui est assassin. C'est vrai qu'il faudrait il est quand même aussi dans l'agglomération. Donc c'est plein de problèmes pour l'emmener, et puis il ça lui ferait pas plaisir. Il m'a dit non, moi je veux pas. Peut-être par la suite, quand il aura la voiture, je lui dis, ben, t'as les clés de la voiture, le jour où ça part avec quand t'auras la voiture, c'est pour ça que je t'ai fait le code, après t'auras le permis, tu ça va pas avec ta mère, tu prends les clés et t'as les clés de la maison, tu prends les de ta voiture et tu viens à la maison. T'es chez toi, et puis voilà, quoi. C'est pour ça que l'éducateur, si vous voulez, peut jouer ce rôle de tiers un peu séparateur, et qu'en cela, son rôle est important. Mais je trouve pas, dans ce que vous me dites maintenant, c'est vous que j'entends, que c'est un adolescent qui va mal. Voilà. Non, j'espère pas. Bon, il faut dire que vous, je vous trouve aussi extrêmement sympathique, chaleureux, on vous sent plein de vie, bouillonnant, j'aime bien. On vous sent très, pas le problème, le prenant à cœur, mais en même temps ne dramatisant pas. Enfin, je vous trouve à la fois très chaleureux, très présent, et sans en faire trop non plus. Bon, il y a d'ailleurs Bénédicte qui nous envoie un petit message au 7-21-21 qui dit, j'écoute attentivement là le témoignage d'Alexandre, car j'ai le même souci avec mon fils de 13 ans. Eh oui, c'est souvent, c'est compliqué, être trop proche de la mère, c'est compliqué. Donc souvent on s'en détache, et quand on a été très très proche, on s'en détache, c'est douloureux, il y a souvent beaucoup d'agressivité. Alors moi, elle me fait rire de temps en temps, la mère, elle me fait rire, la maman, quand elle me dit oh là là, j'en ai marre de ton fils. Et puis alors, quand c'est moi, à un moment donné, quand on l'a eu dans les vacances, des fois elle me le réclamait un petit peu avant et tout ça. Là maintenant, c'est tout juste, elle me téléphone pas pour me dire, ce week-end tu le prends, parce que, alors moi, en plaisantant, je dis, mais c'est pas mon week-end, tu sais, on fait vraiment ce qui est marqué sur le. C'est une parenthèse pour rigoler, quoi. Oui, alors elle me dit, j'en ai ras la casquette, alors je le prends bien souvent. Et quand des fois il a pas eu cours là, il y a eu des jours qu'il avait pas cours l'année dernière, 2-3 jours. Hop, je l'ai su, je dis hop, je viens te chercher, tu prends ton sac et tu laisses ta mère, elle va se reposer un peu. Voilà. C'est formidable que ça se passe bien entre vous maintenant, et que vous lui permettiez de souffler. Elle en peut plus. Moi, il y a des coups au téléphone. Ça doit être dur. Tous les soirs, c'est comme ça, quoi. Des fois c'est 11h du soir, minuit. Heureusement que je me couche jamais tard. Mais
fait jusqu'à minuit, donc elle m'appelle, elle me dit « Ah, fais quelque chose, parle à ton fils, j'en ai marre, je supporte plus. » Mais c'est vrai que vous avez raison de dire, bon, c'est un peu compliqué, mais de dire à votre fils, sans lui répéter continuellement, mais que c'est sa mère et qu'il ne doit pas mal lui parler, mal se comporter avec elle. Et puis peut-être que vous pouvez dire à votre femme, je sais pas, qu'elle écoute notre échange. Elle peut le réécouter en podcast. Ouais, ça c'est vrai qu'il faudrait que je lui dise qu'elle peut-être écoute ça. Ouais, ça serait sympa. Et par contre, en plus, je lui ai sauvé la mise au gamin parce que figurez-vous, c'est qu'il avait cassé son portable. Mmh. Il a pas trouvé le moyen. Il voulait s'acheter un autre portable, le même. Il s'est acheté une MobiCard. Il a pas eu besoin d'être majeur ni rien du tout. Le magasin lui a vendu le portable parce qu'il y avait pas de contrat. Donc et il a pris la carte bleue de sa mère. Donc il s'est dit après, oh là là, elle va s'en apercevoir, ça a été trop tard. Donc il lui a, elle l'a su et elle a dit oh là là et tout. Donc moi j'ai été au courant, comme je lui donnais de l'argent de poche, avec l'éducateur on s'est tous réunis. Je dis voilà, je lui donne 20 euros par semaine. Et ben à cause de ta bêtise, t'auras plus d'argent de poche jusqu'à temps que j'ai payé le portable à ta mère que t'as retiré oui. 300 euros oui, mais que c'est pas rien et donc il j'ai réglé les 300 euros il a plus d'argent de poche jusqu'à ça. Là ça oui donc, mais c'est une très bonne solution que vous avez mise en place puis rien le fait de vous être réunis avec l'éducateur tous ensemble d'en avoir parlé et ah ouais, puis bon il y a une même, sanction c'est-à-dire qu'il n'a pas de portable ouais. Ouais, il n'a pas de portable moi, il n'a pas d'argent juge, et il a vu qu'il avait fait, il allait aller devant le juge si elle portait plainte et donc ça allait aller loin bien donc sûr. J'ai dit t'as eu chaud puis j'ai dit, moi je suis pas inquiète à vous entendre parce qu'on sent qu'il y a quand même un cadre autour de lui et qu'à mon avis le conflit avec sa mère est lié un peu à cet âge. Je vais vous dire franchement il y a des moments j'aurais voulu tout claquer, ouais. Ou partir. Ouais. Bon. Oui, mais. Il est là, je suis obligé, enfin pas obligé, je suis ouais. Censé être. Tant qu'il n'est pas sur la route de sa vie, quoi. Quand, bien comme sûr. Dit, moi, il faut, il faut tenir le cap, hein, Alexandre. Moi, je veux ton CAP, ouais. Ton permis, ta vie, après, ouais. Après je lâche les brides. Ah, on l'a jamais vraiment avec les enfants. Mais bon, en tout cas, il est sur la route, là. Voilà. Vous le mettez sur les rails. Voilà, il y a Sergio qui vous dit, pour conclure, en tout cas, il a un super papa, ce jeune homme. On sent beaucoup d'amour dans votre témoignage. Bonne continuation à vous. C'est pas parfait, voilà. Hein. Voilà, rien n'est parfait. J'ai des fois des coups de gueule avec lui, puis des fois, ça lui fait du bien. Oui. Mais c'est bien aussi. Écoutez, ouais, ouais. Moi je pense peut-être faites écouter notre échange à avec cette femme, ça pourra un peu. C'est ce que je vais lui dire, comme ça, bon ben, ça peut l'aider. Puis éventuellement, si elle peut vous écouter, parce qu'elle se couche pas tard non plus. Donc. Oui, bah, elle peut réécouter en podcast non, en plus. Plus donc elle écoutera quand elle le souhaitera, comme ça. Merci d'accord. En tout cas de votre appel, merci, Alexandre. Merci aux auditeurs qui se sont manifestés. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Alors, il y a Petite Plume qui nous envoie un message au 7 21 21 qui dit « Moi qui n'aime pas les week-ends, c'est agréable de pouvoir écouter l'émission le vendredi, sans compter que nous avons un samouraï à la réalisation de celle-ci. » Vous allez faire rougir Emmanuel, Petite Plume. Et puis, il y a Reine de Cœur qui dit « Mais on m'a dit que l'hypnose pouvait créer de faux souvenirs. » Oui, c'est vrai que il y a parfois ce problème-là dans l'hypnose et on croit du coup que ce sont vraiment des souvenirs alors que ce sont des choses qu'on a totalement reconstruites. Mais les thérapeutes qui pratiquent l'hypnose le savent, hein, donc travaillent là-dessus normalement. Voilà, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci de m'accueillir. Moi, je vous appelle parce que j'ai un petit souci et je suis sûre de pouvoir le résoudre, mais j'ai besoin de conseils. Oui. Donc, en fait, j'ai 32 ans, je sors avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. Oui. Et en fait, au début, je pensais que ça allait être un problème et puis j'ai tenté je sais pas pourquoi ça c'est psychologique de dire que quand les hommes sont plus jeunes que les femmes c'est un problème. Moi je préfère dans l'autre sens puis au fur et à mesure
je me suis rendu compte que, bon, c'était pas tant un problème que ça, mais peut-être bien que si, je sais pas. Donc, en fait, j'ai fait la connaissance de ce garçon au mois de mars. Oui. Et il s'est rien passé, mais on s'est échangé nos coordonnées. Il m'a dit, ben moi je t'aime bien, j'aimerais bien faire ta connaissance, tout ça. Donc après, vous l'avez rencontré dans quel contexte? On s'est rencontré dans un contexte sportif. D'accord. C'est le même sport. Et en fait, j'étais allée voir avec une copine son équipe, parce que le copain de ma copine joue dans l'équipe. Oui. Et j'avais rencontré là. Et en fait, donc après, on faisait que de s'appeler, on faisait connaissance, tout ça. Mmh. Et il a un passé quand même assez difficile, quoi. Et du coup, je crois que c'est ça qui le rend pas stable. Et en fait, il me dit au bout d'une semaine, mais j'ai pas compris, quoi. Un soir, du tout au tout. J'ai pas compris, il me dit, ben non, mais en fait, non, mais moi, je veux reconquérir mon ex, parce que je suis sûre que ça peut remarcher avec elle, tout ça. Et en fait, son ex, c'est une fille qui connaît depuis l'âge de 12 ans. Il la connaît depuis 10 ans. Et puisqu'il en a 22, hein, actuellement. Oui. Et en fait, ils sont séparés, ils sont remis. Et même quand ils étaient séparés, ils étaient toujours amis, quoi. Enfin, ils sont toujours restés super copains, super complices. Hein. Bon. Alors, je dis, tu veux reconquérir ton ex, bon. Alors, puis en fait, je l'ai harcelé un peu au début, puis mais bon, il y avait rien, mais j'étais déçue parce que moi, je sortais d'une relation difficile aussi et je cherchais à tourner la page, quoi. Parce que déjà, j'avais plus confiance en moi et j'avais plus confiance en moi parce qu'en fait, je comprends jamais pourquoi les hommes me laissent. Bon. Alors, bon. Et puis, je commençais à m'en remettre, bon. Et je le re-rencontre dans le sportif. Oui. Dans le contexte encore sportif. Et là, cette fois, on sort ensemble et il me dit tout l'inverse. Ah oui, mais mais là, cette fois, c'est sûr, j'ai bien réfléchi. Et puis, de toute façon, je me fais aider. C'est toi que je veux, nanana, tout ça. Bon, alors je dis ouais, enfin t'es sûr, c'est bizarre, il y a 3 mois tu disais l'inverse, tu sais pas bien, il me dit non mais là c'est sûr. Et moi ce qui m'a fait tilter, c'est qu'il m'a dit je me suis fait aider, donc je me suis dit bon bah il a dû voir quelqu'un peut-être, je sais, bon. Et en fait, ça s'est super bien passé jusqu'à la semaine dernière, il a passé donc les 2 mois et demi de l'été chez moi, vu que le sport s'était arrêté et puis que c'est sa seule attache dans sa ville, il est venu dans la mienne. Et en fait, le sport a repris, donc il est reparti vendredi dernier. Et puis, vendredi soir, j'ai senti, il m'a dit, j'ai pas le temps, parce qu'en fait, il se trouve que la fille, il se trouve que son ex fait aussi du sport avec nous, dans notre discipline, quoi. Ah bon? Ouais, elle s'est mise à ça l'année dernière, donc, ouais, mais je suis en train de me demander si elle fait pas tout pour, je sais pas d'où ça vient parce que elle, je la connais pas, donc je sais pas, mais bon. Donc, la semaine dernière, il est allé au sport, là, et puis il m'a dit, je vais manger donc avec son ex-copine. Ils étaient au restaurant. Moi, à minuit, je suis allée me coucher. Je dis, c'est bon, on s'appellera demain. Le samedi matin, pareil. Enfin, il était super froid, quoi. Le samedi et dimanche, oui. Il était super froid. Après avoir dîné avec elle, donc. Oui. Mmh. Et après, ils se sont revus aussi le samedi et le dimanche parce que eux, ils habitent dans la même ville, par contre. Mmh. Alors là, vous étiez. Et non, moi, j'étais dans ma ville à moi et lui dans sa ville. Oui, à lui, mais vous étiez toujours quand même normalement ensemble. Oui. Jusqu'au dimanche soir où il m'appelle et il me dit parce que c'est ce qu'il y a de bien avec lui quand même, c'est quelqu'un de franc et de. On peut discuter beaucoup, quoi. Mmh. Euh, il,
ils discutent bien et ils discutent beaucoup. Et alors, que vous a-t-il dit alors? Sauf qu'ils discutent quand c'est trop tard. Ah. Et il m'a dit, moi je m'écarte sur table, je veux reconquérir mon ex. Bon, écoutez, c'est clair. Même blabla qu'il y a 3 mois. D'accord. Donc, j'étais plus bas que terre, Alors, assez clair, là. J'étais. Vous en êtes où aujourd'hui, alors, Elisabeth? J'ai réfléchi et j'ai décidé de. Je voulais vous demander ce que vous me conseilleriez, vous, de faire. Parce que moi, j'ai pas envie de tout laisser tomber comme ça, c'est trop facile. D'abord, il a des affaires à moi et moi, j'ai des affaires à lui. Mais j'ai pas envie de, parce que je me dis que si je lui force la main, enfin, il paraît que plus on harcèle les gens au téléphone à essayer d'avoir des explications, plus c'est pire. Et je crois qu'effectivement, c'est vrai parce que j'ai essayé de le rappeler, il me jette, voilà. Donc en fait, j'ai envie de faire la morte et puis d'attendre. De toute façon, il vous laisse pas vraiment le choix, Elisabeth. Il vous dit que il est dans le désir de reconquérir son ex. Oui, mais ça fait ce qu'il y a, c'est qu'ils ont déjà vécu ensemble et tout, et que ça n'a jamais marché, quoi. Oui, mais écoutez, ça malheureusement vous n'y pouvez pas grand chose, hein. Lui, il va peut-être de nouveau dans le mur, mais qu'est-ce que vous voulez? Il va y aller tout seul. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous voyez, à partir du moment où il a en tête cette autre femme dont il n'arrive pas pour le moment à faire le deuil. Vous n'avez pas votre place dans cette histoire. Il a essayé avec vous, donc il a eu un coup de cœur pour vous, il est tombé amoureux de vous. Mais après, vous ne savez pas ce qu'il en est. Elle a pu le relancer. Ça a été son premier amour. Il est très jeune, cet homme. Hein, vous le dites vous-même, il a 22 ans. C'est un amour. Ils se sont connus à 10, 12 ans. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de d'un lien comme ça, très particulier entre deux. Donc pour le moment, il a la tête, le cœur complètement tourné vers cette femme. Mmh. Donc c'est vrai que ce n'est pas à vous, en cherchant à le rappeler, à discuter avec lui, ça ne marchera pas de toute façon. Ça ne marchera pas. Alors les affaires, bon, ça c'est pas les affaires. De toute façon, il doit vous les rendre et puis vous lui rendez les siennes, hein, à la limite. Vous voyez, ça c'est important. Mmh. Mais vous laisseriez tomber, vous attendriez pas un peu de voir ce qui se passe? Écoutez, c'est moi, je ne suis pas à votre place, hein, donc visiblement vous n'avez pas l'air d'avoir envie de laisser tomber. Bon, il a envie de la reconquérir, ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Maintenant, il vous a fait le coup il y a 3 mois, il vous refait le coup là. Alors après, à vous de voir, Elisabeth, si vous voulez être avec quelqu'un qui va être avec vous en pensant à une autre. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de lui dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il est très influençable. Oui, mais peu importe. J'ai envie de lui dire si, par exemple, imaginons que ils viennent à revenir et que moi je sois toujours célibataire. Oui. C'est clair, je le reprends, mais je lui dis, je m'écarte sur table, quoi. Enfin, d'entrée de gamme, il met un pied dans ma pièce. Je lui dis, écoute, maintenant, tu fais ça, il devrait m'apporter des preuves tout de suite là et concrètes que. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire, je pense. C'est pas tellement comme ça que ça marche. Parce que à ce moment-là, si il veut revenir vers vous parce que ça n'a pas marché avec son ex, il fera tout pour revenir vers vous. Et puis, il vous jurera, c'est grand Dieu, que il vous tiendra les discours que vous aurez envie d'entendre. Mais vous ne serez pas à l'abri qu'il retourne vers cette femme. Il est très jeune.
Mais c'est pas tant ça. C'est Néjoud dit laissez-le partir car cet homme est encore très jeune et ne semble pas prêt à oublier la nostalgie de son premier amour. Il y a quelque chose effectivement dans ce premier amour de très nostalgique. De bon, alors. Bon, ouais, vous pouvez attendre, hein, vous semblez tenir beaucoup à lui, bon, pourquoi pas, mais c'est pas très valorisant. Hein. C'est-à-dire ? Bah, pour vous, je trouve pas ça très valorisant. D'être là, à attendre et de vous dire que il peut être avec vous en pensant à l'autre, je sais pas. C'est à vous de voir. Ouais, non, ça c'est sûr. Non, mais voilà, il va falloir être sûr de. Mais alors, ça veut dire qu'il va faire ça toute sa vie, là Mais non, Elisabeth, je suis pas en train de vous dire ça. Il a 22 ans. Je ne réponds pas comme vous le souhaitez, j'entends bien. C'est-à-dire que vous, vous aimeriez que je vous dise « Oui, attendez, ça vaut la peine ». Si vous avez envie d'attendre, rien ne vous empêche d'attendre. Mmh. Peut-être que, il va faire chou blanc. Il va vouloir revenir vers son ex et ça ne marchera pas. Et, écoutez, si vous pensez que vous avez la force, la patience d'attendre et que cet homme en vaut la peine, pourquoi pas ? Vous pouvez... il a peut-être besoin de se confronter... à une réalité, de se rendre compte que entre l'amour qu'il a eu pour cette une toute jeune fille, une enfant de 10-12 ans, et puis aujourd'hui l'homme qu'il est devenu, il y a une grande différence, et peut-être qu'il se raccroche à quelque chose de ce moment-là de son enfance, d'une nostalgie, bon, qu'il y a des choses à comprendre derrière. Si vous avez envie d'être celle qui peut-être lui permet d'évoluer, pourquoi pas ? Moi, je ne peux pas décider à votre place. Mmh. Ben c'est vrai que oui, moi après aussi, donc j'en ai 32 et oui, c'est vrai, ma vie avance, la roue tourne et moi j'avance pas, quoi. Ben, tout dépend, c'est à vous aussi de vous donner à ce moment-là un terme dans le temps. Oui, oui, voilà. Aussi, oui. Oui, c'est vrai. Parce que moi, c'est vrai que, voilà, moi je vais... Ben oui, c'est à vous de réfléchir sur ce que vous êtes... prête c'est vrai que moi, à moment, supporter. Là, je vais de déception en déception et. Ben là, oui. Alors si vous réagissez comme ça, c'est vous allez au devant, pas forcément d'une déception, mais de choses difficiles. Donc peut-être réfléchissez à cela. Maintenant, de deux choses l'une, hein. Soit cette jeune femme va accepter de reprendre avec lui, soit non. Donc vous allez déjà être vite fixé. Et soit, voilà, vous êtes tributaire de la relation. Ça va être comme d'hab, quoi, 15 jours, un mois, enfin. Oui, après tout, 15 jours, un mois, vous êtes prête à attendre, vous verrez bien. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, moi, je croyais vraiment avoir tourné la page. Visiblement. Ça m'a au moins permis de faire ça. Mais voilà, quoi, je pensais que. Bon, le subversif, pour conclure, dit « Ses revirements en série sont moins dus à son âge aussi qu'à une histoire inachevée. Il doit écrire ou l'épilogue ou la suite. » Donc, pour le moment, tant qu'il n'a pas désinvesti cette histoire, il ne peut rien y avoir d'envisageable avec vous. Il faut que vous le sachiez. Ça, c'est sûr. Alors, si vous vous mettez, vous, en attente, en stand-by, là, comme ça, à ne rien vivre, c'est quand même problématique pour vous, Elisabeth. Ben oui, oui. Si vous pouvez attendre en ne passant pas à côté de choses qui peuvent se présenter pour vous, tant mieux. Si vous êtes dans l'attente, comme ça, l'attente, c'est usant, c'est angoissant, c'est pénible. Voilà. Ouais, c'est oui, tout oui. Ce que je voulais vous dire. Ah oui. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Ouais, il va falloir qu'on se laisse parce qu'on peut pas difficilement aller plus loin, voyez, parce que moi je ne peux pas décider à votre place. Oui, bien sûr. Mais disons que c'est vrai qu'il faut. Oui, voilà, je peux attendre, mais tout en empêcher... ne passant à côté de rien, quoi. Voilà, tout en ne vous empêchez pas. De voilà, vivre. Tout en ne m'empêchant pas d'aller. Oui. Sachant qu'il est quand même très jeune. Hein. Ouais, c'est vrai que. Aussi. C'est pour ça que je vous disais au début dans ce sens-là, moi je. Il y a Johnny qui dit déjà il y a 10 ans d'écart entre vous. 10 ans, c'est pas que c'est énorme, mais il a 22 ans. Il a 22 ans. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Johnny qui dit ça m'est arrivé avec une femme plus jeune et c'est pas évident. Et oui, oui. Bon. Vous pourrez nous rappeler pour nous dire comment ça évolue et quelle décision vous avez prise si vous le souhaitez. D'accord, c'est très gentil. Au revoir, Elisabeth. Merci, au revoir.
résidence à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21, 34 centimes la minute. Bonsoir Vincent. C'est moi. Oui, allô. Je sais que c'est vous, bonsoir. Bonsoir. Donc, me concernant, moi j'ai rencontré quelqu'un de mythomane. Je m'en suis rendu compte un peu dès le départ, mais j'ai voulu occulter cette chose. Et j'ai cru à ces mensonges pendant un certain temps. Certains faits m'ont fait comprendre que je me trompais complètement. Et j'ai pris pas mal de claques parce que l'air de rien, je me suis fait amener par le bout du nez pendant 4 ans et demi. Et au jour d'aujourd'hui, bon, moi je consulte actuellement. Par rapport à cette histoire ? Par rapport à cette histoire et tous les événements qu'il y a eu à côté. Parce que moi, je suis divorcé et j'ai deux enfants. Mmh. Et ça a créé pas mal de problèmes. Ces mensonges et les faits qu'elle a cru croire elle-même m'ont fait réagir. En fin de compte, elle m'a beaucoup manipulé. Et donc moi, ça m'a beaucoup perturbé, il faut dire ce qui est. Et j'ai été pas mal perturbé par rapport à ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, mon psy m'a réussi à me faire comprendre qu'il fallait couper court à tout cela. Mais j'ai beaucoup... À la relation avec elle, vous voulez dire ? Oui. J'ai coupé court au début juillet. Mais elle me harcèle derrière, comme quoi elle n'est pas mythomane, etc. Elle me culpabilise par rapport à tout ça. Mais en quoi vous la qualifiez de mythomane ? Sur quoi porter le mensonge ? C'était général. C'était par rapport à la profession. C'était par rapport. Oui. Par rapport à sa situation financière, c'était par rapport à sa situation sociale, c'était par rapport... C'est-à-dire qu'elle elle avait menti sur son métier ? Surtout. C'est une personne que j'avais connue sur Internet. Oui. Et d'où la méfiance que j'ai maintenant sur Internet. Je m'excuse, mais elle se considérait comme si. Non, non, bah pourquoi vous excusez ? Et elle se considérait comme si et travaillait en tant que psy sur Internet, profession que je connaissais pas du tout au départ. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle disait faire des consultations via MSN et compagnie. Des consultations via MSN ? Oui. Ah oui, d'accord. Je vois pas comment on peut consulter par MSN. C'est limité. D'entrée de jeu, j'ai eu des doutes. Oui, ça. Mais ne connaissant pas la profession, ne connaissant pas trop par rapport aux nouvelles pratiques par rapport à cela, j'ai laissé courir. Et en fin de compte, je me suis fait blouser pendant 4 ans et demi et on m'a ouvert les yeux parce que je commençais à ouvrir les yeux sur d'autres choses. À me considérer comme cinglé et à me demander de consulter. Et en fin de compte, c'est mon propre psy qui m'a dit arrêtez vos bêtises, c'est pas vous. Oui, déjà, on ne fait pas de consultation par MSN. Voilà. Donc, mais ce qu'il y a, le problème que j'ai actuellement, c'est que cette personne-là m'harcèle. Par rapport à quoi ? Par rapport à moi, pour me... Qu'est-ce qu'elle souhaite ? Me retrouver. Oui. Oui, mais comme vous dit votre psy, Vincent, il faut justement couper court. Ne pas donner suite. Mais c'est dur. Pourquoi ? C'est une personne que j'ai aimée, quand même. Oui, dans le mensonge. Je suis d'accord. Oui, j'ai bien compris, mais... ça, c'est... Vous l'avez aimé, certes, mais qui avez-vous aimé, finalement ? J'en sais plus. Je ne sais plus rien par rapport à ça.
Oui, mais alors là, bon, ça c'est vraiment à travailler avec votre psy, hein, Vincent, parce que sinon, si elle vous harcèle, mais si vous au fond, si vous répondez, vous acceptez de vous laisser harceler, parce que ouais, elle va, elle va vous l'air de rien, c'est que je me rends compte. Elle va vous inonder, hein. Elle va vous inonder de messages. Enfin, la meilleure façon de cesser le harcèlement, c'est justement d'arrêter. Vous n'avez pas d'enfants ensemble. Vous n'avez bon. Non, vous, on n'a rien ensemble. Bon, voilà. Vous avez décidé de mettre un terme à la relation. C'est de changer de numéro de téléphone. C'est ne plus donner suite et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'échange et d'en parler. Il faut vraiment travailler sur ce lien avec votre thérapeute, Vincent, qui va vous aider à vous défaire finalement de cette emprise. Parce que vous me dites j'ai vécu avec une mythomane, maintenant vous me dites oui mais je suis encore attachée à elle, donc il y a quelque chose à travailler de votre côté pour vous défaire de ce lien d'emprise. Bon courage à vous. Ah, le samouraï a lancé le jingle trop vite, hein, j'ai pas eu le temps de répondre à Rémi Ferreira. Et oui c'est ça, hein, c'est ça les samouraïs. Bon, comme dit Sergio, tant qu'il ne se fait pas harakiri en direct, ça va. Sergio qui en profite pour saluer les geishas du standard. Voilà, eh bien, vous l'avez compris, hein, c'est la Libre Antenne. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à une heure, ambiance japonaise, le vendredi avec Emmanuel Bronto. Il va plus vouloir venir, le pauvre, le vendredi, faire l'émission avec nous. Et bien sûr, avec vous tous, vos appels au 39-21, toutes vos réactions au 7-21-21 code nuit. Bonsoir à l'ami Georges qui s'est dépêché de rentrer. Il était en train de prendre un petit verre avec ses amis. Mais comme il nous savait à l'antenne, bah oui, il ne pouvait que rentrer vite. Et en plus, il me dit qu'il est en train de regarder son bilan. Alors, je ne sais pas de quel bilan il parle, mais il dit c'est bon, il souffle et il me dit je vais encore pouvoir vous envoyer des SMS au 7-21-21. Tant mieux, on en est ravis. Et puis, il y a le valet de cœur qui dit, mais alors, finalement, je m'aperçois qu'il y a une reine de cœur qui envoie maintenant des petits textos. Décidément, dit-il, le royaume européen se bonifie. Adressé à ma reine, toutes mes révérences. Et puis Laurent qui dit quelle joie, qui nous écrit lui sur le site europe1.fr en disant quelle joie de pouvoir vous écouter ce soir. D'habitude, je me lève très tôt afin d'aller travailler et ne peux de ce fait pas vous écouter en direct. En revanche, je suis votre émission depuis 2 ans grâce au podcast, nous dit Laurent. Et puis Jade, elle dit c'est un plaisir d'écouter Europe 1 en votre compagnie, le tout avec une mousse au chocolat. Et on accueille tout de suite Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ça fait longtemps que j'essaie de vous avoir. Hein. C'est vrai ? On te cherche beaucoup, mais c'était un peu de ma faute parce que je ne suis pas toujours joignable, mais ça fait plaisir de vous parler. Bon, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à se parler. Hein. Voilà, ouais. il faut persévérer. C'est bien de le dire, Philippe, que parfois c'est un petit peu compliqué, qu'il faut renouveler l'appel, mais qu'on finit toujours par y arriver. Ah oui, oui, non, mais tant mieux. Mais depuis, les choses ont évolué, mais bon, voilà. Moi, je vous appelais parce que ça fait maintenant 17 ans que je vis avec une femme. Oui. Qui est avec moi très désagréable, hein. C'est-à-dire que tout allait bien au début, on a eu 3 enfants, puis c'est là que ça a commencé à mal aller, dans le sens où elle a voulu gérer l'éducation des enfants. Moi, ayant un métier assez difficile, travaillant la nuit et assez stressant... Qu'est-ce que vous faites, si c'est pas indiscret? Je suis gendarme... Ah oui. Et d'intervention, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la nuit, un petit peu le jour, mais beaucoup la nuit, on interpelle des gens, donc voilà, donc un peu stressé par ce boulot, d'autant plus que ça se passe pas très bien avec la hiérarchie, donc bon, quand je rentre à la maison, c'est vrai que je suis pas à prendre avec des pincettes ou un petit peu intériorisé, quoi, je vis mal, de mal vivre mon boulot. Donc c'est vrai que je suis pas très très actif à la maison, hein. Je me pose quelque part, je lis ou je regarde la télé, et pendant ce temps elle
crie sur les gamins, se plaint toujours de faire la cuisine, la vaisselle, de mettre la table, enfin, de faire toutes les tâches ménagères. Le peu que je peux, moi, en faire, elle en voit pas du tout, elle en voit pas du tout la couleur, c'est-à-dire qu'elle le remarque pas. Mmh. Elle me laisse pas du tout gérer un petit peu les crises avec les gamins, ou alors c'est toujours des cris et des emportements incroyables. Tout ce que je fais, ça va pas, j'ai jamais un remerciement. Quand on fait des réunions de famille avec les parents, elle me fait des crises devant mes parents pour leur dire que je suis un fils qui vaut pas grand chose finalement, surtout au point de vue de l'éducation. Mais bon, ça, avec le métier que j'ai pas toujours pu être présent pour m'occuper d'eux. Il faudra que ça change. Mais et puis là récemment, comme ça allait plus. J'ai essayé de retrouver de la douceur ailleurs, mais comme vous en parliez tout à l'heure, c'est du virtuel. C'est-à-dire que j'ai été sur un site de rencontre d'internet là, et puis. Oui. Et puis on connaît des gens, et puis c'est vrai que on peut, il y a des fois des personnes avec qui on peut parler plus librement, etc. Et puis là, bon, j'avais trouvé une femme qui était très douce avec moi au téléphone, etc. Et elle est tombée sur une de nos conversations quand on était. Et depuis ce temps-là, ça s'est empiré. Dans la mesure où, pour elle, c'est carrément de la tromperie, alors que, comme vous le dites vous-même, c'est que du virtuel, en fait. Mm-hmm. Oui, et vous ne lui avez pas dit que finalement, ce que vous recherchez, c'est de la douceur. Et si. Parce que c'est ça, c'est le mot qui revient là, un peu de douceur, un peu de tendresse, un peu de bienveillance, ou bah. Quand vous nous présentez entre le stress que vous vivez dans votre travail, les difficultés que vous déjà dans votre activité avec les usagers, les citoyens, que vous interpellez, les difficultés avec votre hiérarchie, quand vous rentrez à la maison, là aussi c'est la guerre. Il y a de quoi craquer. Oui, tout à fait. Alors, finalement, dans ces échanges avec une inconnue, tout d'un coup, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui vous manifeste, de l'attention et de la bienveillance. Alors moi, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tromperie. C'est vous n'allez pas chercher du sexe là-dessus. Non. C'est de la relation. Enfin, c'est. Voilà. C'est surtout des mots doux et des voilà quoi. Si ça avait pu évoluer vers autre chose, certainement. Oui, mais c'est ce qui est même surprenant. Enfin, c'est que vous auriez pu vous tourner déjà plus tôt. Oui. Mais là, je veux dire, c'est disons que moi, mon échappatoire, c'est que. Depuis des années, on rénove une maison, que effectivement pendant les vacances, dès que je peux, je m'absente pour faire les travaux. Et puis, parallèlement à ça, je fais de la chanson, donc je m'en vais aussi des week-ends. Oui. Et alors comme je m'absente, comme j'y vais seul, elle a toujours des doutes parce que autant dans mon cercle professionnel, je peux être enfermé et gris et pas content, autant quand je suis dans le milieu de la chanson, ça va tout de suite mieux. Et il arrive même que je fasse des rencontres de jeunes femmes qui s'inquiètent de savoir si je suis bien arrivé, donc je leur rappelle en leur disant voilà, je suis bien arrivé, il n'y a pas de problème. Et ça, elle ne le supporte pas. Elle est jalouse. Alors. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très jalouse, mais qui ne supporte pas qu'on intervienne dans la gestion des enfants et qui. Elle ne travaille pas, votre femme. Enfin, elle n'a pas d'activité professionnelle, je veux dire. Si, elle travaille actuellement. Elle a travaillé dans des banques. Elle travaille dans les magasins, caissière. Bon. Oui.
On peut pas lui reprocher d'être feignante, au contraire. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je me disais, est-ce qu'elle est, il y a une frustration chez elle. Enfin, il y a de toute façon, on sent de la frustration, mais une frustration, vous voyez, peut-être d'être uniquement à la maison avec, alors les enfants, c'est son lieu de pouvoir, la maison. Mais non, elle a quand même une activité à l'extérieur, mais peut-être dans lequel elle se sent pas forcément valorisée. Oui, aussi. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que, en croyant que pendant que je vais faire mes galas, j'en profite pour draguer, etc. Quand ça va plus, elle me dit la seule chose qu'elle sache me dire, c'est trouve-en une autre qui fera le même travail que moi à la maison. Voilà. Pour elle, c'est sa référence. Et... Oui, mais qu'est-ce que vous lui répondez dans ces cas-là? Ben moi. Moi, je lui réponds que c'est pas ça que je cherche. Le problème, oui. c'est pas quelqu'un qui me fasse briller le carreau à droite au fond de la pièce. Voilà, moi je m'en fiche. Moi, je veux de la douceur, oui, et puis plus de cris à la maison, quoi. Et ça. Oui, parce qu'elle a à cœur d'être en même temps une parfaite maîtresse de maison. Voilà. C'est peut-être l'image qu'elle se. Qu'elle s'est faite, qu'elle met la barre très haut aussi pour elle, hein, c'est-à-dire tout en travaillant, élever trois enfants, il faut que la maison soit impeccable, enfin, elle doit être aussi très fatiguée parce que vous le dites vous-même, enfin, elle ménage pas sa peine, elle en fait beaucoup. En plus, elle a des conseils d'une amie psychologue qui lui dit de jamais lever la voix, jamais il faut faire ça devant les enfants. Elle est suivie par une psychologue ? Non. Enfin, elle est suivie par pas officiellement, quoi. C'est une amie qui est psychologue qui lui donne ces conseils-là, mais elle arrive pas à les suivre, quoi. Moi, ce que je me demandais, c'est si j'étais le seul à vivre ce genre de choses avec une femme qui, malgré tout, m'aime, mais qui a un tel caractère que c'est vrai que pour moi, c'est de plus en plus difficile, quoi, de supporter et la pression du travail, et la pression à la maison, et la pression qui fait que quand moi j'ai l'impression de faire des choses utiles, elle voit que j'essaye de gruger l'éducation des enfants alors que... C'est ça votre question, vous auriez aimé des témoignages, savoir si vous étiez seul Au départ, oui, c'était ça, mais... Est-ce que ça vous consolerait de savoir que vous ne l'êtes pas? Oh, mais je me doute bien que je ne le suis pas, il doit bien y avoir des gens qui vivent un peu la même chose. Mais finalement, la question, c'est ce que dit Prune, finalement, qu'est-ce que... Alors, elle la pose à sa façon, elle est très directe, Prune. Elle dit, pourquoi restez-vous dans cette relation? Pourquoi êtes-vous toujours avec elle? Qu'est-ce qui vous relie, finalement? Je le dirais autrement, qu'est-ce qui vous relie à elle? Eh ben, qu'est-ce qui me relie, c'est qu'on a trois enfants pour les enfants, il n'est pas envisageable de se séparer, parce que ça serait vraiment dramatique pour eux, et puis parce qu'on a construit quelque chose ensemble, que point de vue matériel aussi, ça poserait des problèmes. Maintenant, j'ai pas trouvé aussi la motivation de quelqu'un qui pourrait la remplacer, quoi, vous voyez. Et vous dites qu'elle, elle vous aime. Vous ne doutez pas de ses sentiments. Ah oui, parce que... Et vous, quels sont vos sentiments pour elle? Parce que là, vous me parlez de la mère de vos enfants, vous restez avec la mère de vos enfants, vous parlez par rapport à la famille, vous ne voulez pas détruire la famille, ce qui se comprend, hein, ce qui est très, très respectable, mais quels sont vos sentiments pour elle? Ah ben moi j'ai de l'attachement, parce que maintenant je veux dire... Je comprends quand elle est pas là, je m'ennuie quand même un peu, ne serait-ce que de plus entendre crier. Pourriez au contraire souffler, respirer. Oui, je souffle pendant deux jours et puis après. Ça vous manque. Disons que oui, mais moi je l'aime toujours.
Mais je me raccroche à la femme que j'avais connue il y a 17 ans, c'est-à-dire en espérant qu'elle le redevienne, quoi. Mais bon, c'est pas encore le chemin qu'elle semble prendre, parce que elle a rencontré une amie, là, une autre amie, et elle fait des projets des menaces en me disant, bah écoute, puisque toi t'en profites quand tu vas ta chanson, machin truc, et que t'as dragué sur internet, et ben moi maintenant je vais sortir le samedi et tu garderas tes gamins, comme ça ira mieux. Ouais. Donc, là je crois que on est parti dans une direction qui est pas très bonne. Et là je me demande peut-être que ça lui ferait du bien d'avoir un peu de temps à elle, parce qu'elle doit pas en avoir beaucoup entre son travail, les trois enfants, la maison, et elle doit pas avoir beaucoup de temps pour elle. Donc peut-être que ça lui ferait du bien. Mais si effectivement après vous ne faites plus que vous croiser, oui, non, ça oui, va pas aller. Bon. Alors si finalement, qu'est-ce que vous partagez ensemble ? Demande Lily. Enfin, elle parle de loisirs, mais qu'est-ce que vous partagez ? Est-ce que sur le plan de l'intimité, finalement, de votre intimité amoureuse, est-ce que... Eh ben, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça tient depuis des années, quoi. Parce que... Elle est bonne. Elle est bonne. C'est pas tellement le terme que j'emploierais, mais. Disons qu'elle s'est jamais refusée à un acte sexuel, quoi. Donc, d'accord. Ouais. Donc là, elle est pas agressive, elle vous fait pas payer quoi que ce soit. Voilà, non. Oui, c'est important, ça. Oui. Heureusement, oui, parce que. Ben, c'est même surprenant dans le contexte que vous décrivez. Oui, c'est pour ça que moi, ça me paraît une pathologie. Quand même assez grave, parce que une pathologie une pathologie psychiatrique entre guillemets de ma femme, quoi, je crois que le terme est fort. Oui, mais dans le sens où justement il peut y avoir des éclats et des reproches permanents, et puis c'est vrai que quand on est au lit après ça va mieux. Donc, bah non, c'est peut-être justement le seul espace où elle peut se laisser aller, se détendre, ou justement, vous savez que la sexualité, c'est aussi un moyen de se libérer des tensions. Donc non. Et je reçois des messages, la Robin des Bois qui dit elle est surmenée, il faut l'aider, ça ne suffit pas de se réfugier à l'extérieur. Et puis Oxalis qui dit votre femme a l'air surtout de quelqu'un de fatigué, peut-être devrait-elle voir un médecin. Mais moi, je pense que si vous avez encore des sentiments l'un pour l'autre, vous devriez aussi surtout ensemble voir un thérapeute de couple. Ouais. Aller en parler de tout ça. Moi, j'en crois un petit peu. Parce qu'il y a quand même des choses positives, à savoir que vous tenez l'un à l'autre malgré tout, malgré ce contexte difficile. Vous avez le fait qu'elle se montre comme ça, qu'elle vous agresse par rapport à qu'elle vous dise oui tu vas encore draguer, qu'elle se montre jalouse, montre qu'elle est pas indifférente à ce que vous faites et qu'elle tient à vous. Le fait que vous ayez qu'elle ne se refuse jamais à vous, enfin vous continuez à avoir une sexualité, ça aussi c'est quand même très positif. Donc il y a quand même des éléments qui, je trouve, vont dans le bon sens. Et plutôt que de rester dans un climat aussi conflictuel où on sent beaucoup de frustration finalement. Alors c'est vrai que vous avez trouvé des moyens de vous évader pour tenir le coup. Elle, de son côté, ne semble pas en avoir beaucoup. Et a l'impression que vous ne vous sentez pas reconnue. C'est-à-dire que vous voudriez davantage de tendresse, d'attention, mais quand vous rentrez, elle est en plein dans les tâches ménagères, les enfants, et c'est vrai que les femmes ont aussi
beaucoup de c'est compliqué cette routine, c'est très pesant, enfin c'est très non mais ça j'en suis bien c'est très compte. C'est très difficile aussi à vivre, enfin vous voyez, c'est donc elle manifeste comme ça sa frustration, son amertume, mais elle ne vous la fait pas payer parce qu'elle pourrait aussi faire la grève du sexe, hein, c'est quand même très féminin ça. Ouais, donc il y a quand même quelque chose qui la lie encore fortement à vous. Alors, mais moi, ce qui m'inquiète pour l'avenir, c'est en voyant toute la frustration qu'elle ressent et la jalousie qu'elle ressent par rapport à cette relation d'internet et à ce qu'elle croit à des relations extra-conjugales quand je suis pas là. Ces menaces de vouloir sortir, de vouloir profiter de sa vie de femme. Oui. Est-ce que si c'était fait dans un contexte normal, bon, il n'y aurait pas à s'inquiéter, mais dans un contexte où elle en veut à quelqu'un, peut-être qu'il faut s'inquiéter là. Oui, mais vous voyez que vous-même vous êtes inquiet. Oui, mais... Et c'est peut-être pas mal, c'est peut-être ce qui va raviver aussi quelque chose, c'est-à-dire elle sort aussi un peu de son rôle de ménagère un peu hystérique qui voilà a à cœur que le carrelage brille, que les carreaux aussi, et bon, voyez, vous vous dites après tout, elle vous réveille aussi, elle vous stimule, dire moi voilà, peut-être que la maison elle sera un peu moins en état, mais moi aussi je vais sortir de mon côté. Et après tout, bon, donc c'est là où je crois qu'il est temps d'aller parler tous les deux. Puisque vous tenez l'un à l'autre, à un thérapeute, pour rétablir une communication entre vous. Ouais. Pour conclure aussi, il y a un message qui arrive au 7-21-21, de dire « J'ai vécu avec des parents qui se disputaient tout le temps, crient, pleurent, c'est horrible et traumatisant pour les enfants. Alors faites le bon choix. » Ouais, oui. Et c'est vrai que, évidemment, il y a votre relation à tous les deux, mais il y a... aussi les enfants qui vivent dans cette ambiance-là. Donc, il faut penser à eux. Hein. Mmh. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous ceux qui ont envoyé des SMS ou qui ont réagi. Et puis, merci à vous. Vous avez très bien cerné le problème. Et bonne continuation, Caroline. Merci, Philippe, de votre appel et de votre confiance. Au revoir. Voilà, des messages qui arrivent encore pour Philippe. Céline Gill dit « Ma mère est exactement pareille, la vie devient difficile, tout le monde est épuisé et cette situation est très dure. » Il y a Anita qui dit « Ne pouvez-vous vous offrir l'aide d'une tierce personne pour l'aider ou un petit week-end à deux ?» Il y a Lynn également qui dit « Mais si ce monsieur passait quelques week-ends en famille, organisait des sorties, peut-être que cela arrangerait les choses, cette dame doit tout gérer. » Et puis il y a Violaine qui dit « Mais pourquoi ce monsieur ne s'occupe-t-il pas plus de ses enfants? Cette femme n'a pas d'échappatoire, je le trouve un peu égoïste. » N'oublions pas quand même que Philippe nous précisait aussi que quand il voulait s'occuper de ses enfants, finalement ça ne plaisait pas à sa femme, elle criait, elle trouvait que ça n'allait pas, ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Alors c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui en même temps sont accablées, disent j'en ai marre, je fais tout dans la maison, mais qui aussi souffrent bon de ce qu'on appelle un peu un syndrome de perfection, c'est-à-dire on voit bien elle délègue en apparence leurs compagnons et puis finalement elles reprennent vite la tâche qu'elle lui avait confiée en parce qu'elles trouvent qu'elles le font mieux, plus vite, ou c'est mieux fait quand c'est elle qui le fait. Elles reprennent vite l'éponge et elles disent c'est mieux fait quand c'est moi qui fais la vaisselle, ou bon. Donc, il y a des femmes comme ça qui ont aussi besoin de tout régenter, hein. Donc bon, c'est pas très simple. Agnès nous écrit, elle, sur le site europe1.fr, elle dit « Quand j'entends l'histoire de Philippe, ça me fait penser à un ami qui vit cela. Il se plaint du manque d'attention de sa femme à son égard, en souffre terriblement. Je lui ai conseillé d'aller voir un psychiatre, depuis il va mieux, mais malgré leurs 3 enfants, ils comptent se séparer. Il faut dire qu'ils font chambre à part depuis plusieurs mois et ils ne partagent vraiment plus rien. » Ce qui n'est pas le cas de Philippe et de son épouse, hein.
Julia qui dit, c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir trouver du réconfort dans son couple quand on a un travail aussi stressant que le vôtre. Julia qui dit, je suis triste pour vous, nous sommes beaucoup de femmes à être adorables, douces et géniales, c'est à vous de voir. Bah, dites-moi Julia, vous êtes bien coquine ce soir. Et puis là, un message qui n'a rien à voir, de Lorraine, qui nous dit « Bonsoir à tous les amoureux de la langue japonaise et aux autres. Je vous écoute chaque soir ou en podcast et j'ai toujours l'oreille tendue, malgré le fait que je devrais avoir le nez plongé dans mes livres en japonais sur le business des animaux domestiques au Japon pour mon mémoire de fin d'année. » Voilà, souhaitez-moi bon courage. En plus, je rédige en anglais. Mais écoutez, plein de courage, Lorraine, et merci d'être à l'écoute, en tout cas. On accueille maintenant... Ah oui, j'avais un petit message aussi de la reine de cœur qui a répondu au valet de cœur en lui disant « Je serai prête à vous rencontrer ». Mais je croyais l'avoir mis en vers. Oui, c'est ça. Mais mon cher valet de cœur, je serais ravie de vous rencontrer dans notre royaume. Il n'y a pas d'impôts ni de taxes, que ça fait du bien. Il n'y a pas de taxes carbone apparemment dans son royaume, que du sourire et de l'amitié, nous dit la reine de cœur. Et on accueille maintenant Martine. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir Caroline. Je suis un peu émue de passer à votre émission. Vous allez voir, ça va bien se passer. D'autant plus que là, je viens d'écouter le témoignage de Philippe. Et vous savez que je pourrais peut-être être la femme de Philippe, mais je ne suis pas la femme de Philippe. ça serait enfin, étrange. Ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Je me suis vraiment retrouvée. Et c'est vrai que la vie de couple, ce n'est pas facile. Non. Voilà. Non. Donc voilà, pour moi, mon histoire. Pourquoi vous pourriez être... C'est intéressant justement de vous entendre après Philippe. Oui. Si vous voulez bien, je vais dérouler mon histoire. Et vous allez vous retrouver... Enfin, on va se retrouver un petit peu par rapport à ce que Philippe nous a dit avant. Voilà, moi je suis en couple depuis 15 ans. Notre couple, je trouve qu'il est... Enfin, oui, il est plutôt disparate. Si je décris monsieur, je le trouve... il est très sûr de lui. Il peut ne pas avoir de limite dans ses paroles. C'est quelqu'un de très cultivé, très gentil également, avec un ego très important et il est plutôt personnel. Moi, je me considérerais plutôt comme plus contenante, évitant les conflits quand on est en groupe, apaisant le climat quand il y a de l'agressivité, bien sûr moins franche que monsieur. Au début de notre vie de couple, je trouvais monsieur sécurisant, puisque je sortais d'un divorce et étais seule à élever deux enfants. Donc, je devais mener la barque, ma petite vie de famille. Donc, c'est une période où, quand j'ai rencontré monsieur, je me suis beaucoup reposée sur lui. C'était très, très réconfortant. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il me mettait vraiment de côté quand on était en famille ou entre amis. Et bon, la soirée aidant, il buvait plus ou moins, et puis il ne se contenait plus du tout. Et moi, du coup, j'existais plus. Donc, à la suite de ça, quand même, je me suis un petit peu révoltée. Je lui ai fait des reproches quand on était tous les deux. Lui ne disait rien. Ensuite, j'essayais de me calmer et d'exprimer vraiment ce que je vivais mal. Donc, lui, il me comprenait, mais il ne voyait pas de solution. Bon. Ensuite, au fur et à mesure des années, nos loisirs n'étaient plus les mêmes. Donc, je vois Philippe, lui, aller à ses cours de chant. Le mien a d'autres loisirs, mais ça lui arrive de partir des week-ends. Alors, la différence, quand même, c'est que lui, il m'a dit qu'il préférait que je parte avec lui en week-end. Mais si toutefois je ne pouvais pas, lui irait quand même. Mais il préfère quand même quand je suis avec lui. Par contre, moi, mes loisirs, il n'aime pas du tout. Donc, il veut bien que je fasse mes loisirs, mais seul, avec des amis, mais sans lui. Bon. Alors, au fur et à mesure des années également, la semaine se passe que le soir, on n'est pratiquement jamais ensemble, puisque lui est toujours sur son ordi, un petit peu comme Philippe. Alors lui, c'est d'autres sites qu'il va voir, notamment des sites de moto ou autres. Oui. Mais
il vient à 23h pour se coucher. Donc, bah, la soirée est bien entamée, puisque moi, je suis déjà couchée. Dernièrement, là, ça fait à peu près un an, nous avons des problèmes de couple, enfin, des problèmes sexuels, puisque moi, j'ai envie, mais pas lui. Il me dit que plus il y pense et moins ça va. Bon, alors, bah, je lui dis peut-être que... Bon, il y a eu des conflits aussi, il y a quand même eu pas mal de coups durs. Et je lui ai quand même conseillé d'aller voir un médecin. J'ai dit, bon, je me moque pas de toi, nous, on va bien voir le gynéco, hein, bon, pourquoi pas. Et puis, quand même, au bout d'un an, à force de dire, va voir, il est allé consulter. Je pense que ça a été très dur pour lui, mais bon, il y est allé quand même. Et puis, je sens que, donc, nous avons repris un petit peu l'activité sexuelle, mais tout doucement, parce que ça revient pas comme ça du jour au lendemain. Et là, je sens que c'est... Tout le monde veut faire... Enfin, je sens qu'il veut faire des efforts, moi aussi, mais que c'est très dur. Alors, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts ou de faire... Pas de faire semblant, mais d'y croire encore quand on en est arrivé là. Donc, je voulais avoir votre avis. Savoir un petit peu faire le point, un peu. Bah, c'est-à-dire que... Moi, je tout dépend des sentiments que vous avez encore pour lui. Hein. Alors, je suis très ambivalente. Je peux l'adorer comme je peux le détester. Il n'est pas là, il me manque. Après, il est là, j'ai l'impression qu'il m'agace. Quand on est à une soirée, c'est lui qui envahit un petit peu le lieu de parole, je suis écrasée, j'existe pas. Il y a d'autres fois où ça se passe très bien, mais c'est quand même ce que je ressens. Mmh. Oui, mais ça a toujours été depuis le début de votre relation. Oui, c'est simplement vrai. Vous le supportez, vous le supportez moins oui, aujourd'hui. Aussi, oui. Il y a une accumulation. Alors, est-ce que finalement, il y a un endroit où vous pouvez exister? C'est ça, vous parliez au fond d'avoir des activités un peu en dehors. Oui, mais si vous voulez, moi, vous avez du mal à vous affirmer dans la relation. Est-ce que, avec vous, quand vous êtes seule avec lui, oui. Parce que... Il y a ce côté très sûr de lui, très besoin de s'affirmer comme ça. Mais comment est-il quand il est en société? On voit qu'il a besoin comme ça de s'affirmer, de prendre la parole. Oui, bon, mais comment est-il? Voilà, bon, il a besoin de se mettre en avant. Oui. Ce qui traduit pas forcément quelqu'un de sûr de lui. Hein. Entre parenthèses, au fond. Ce besoin d'être toujours, ça peut être quelqu'un un peu narcissique, égocentrique, mais justement, ça peut traduire une faille. Mais comment est-il avec vous? Avec moi, il est plutôt gentil. Plutôt, ça se passe bien, il m'écoute. Mais je me rends compte que, bah, du coup, on n'a plus de soirée, puisque, bon, on passe quand même, on termine tous les deux vers 18h. Bon, on peut quand même passer du temps ensemble. Bon, on n'a pas toujours être la main dans la main. Mais bon, lui, il va voir son courrier sur son PC. Ensuite, on dîne ensemble, on a du temps ensemble. Mais après, c'est comme une drogue. Faut qu'il reparte sur son PC. Et puis après, ben voilà. Voilà, ben, je suis toute seule. Moi, devant ma télé ou sur mon canapé. Et puis, et là, je me rends compte que ben, les liens sont coupés. Et qu'on n'a plus rien à se dire. Enfin, je sais pas. Depuis l'arrivée de ce PC, là, je le balancerai. Parce que ça fait qu'il recherche plein d'informations, c'est quelqu'un qui est très intéressé, qui lit beaucoup de journaux, enfin bon, ça c'est très bien, mais il n'en a jamais assez. Et du coup, ben moi, ben, il me laisse de côté. Alors peut-être que c'est plus moi de m'affirmer aussi, mais ça s'est fait progressivement. Puis d'un coup, sortez. Comment? Sortez. Si je sors? Oui, sortez, quand finalement... Vous prévoyez des soirées avec des amis?
Alors, parce qu'au fond, si c'est, ça veut pas dire, attendez, vous voulez voir à ce moment-là quelque chose à la télé ou des choses comme ça, mais si c'est pour être et lui devant son PC, vous montrez-lui que finalement, voilà, aussi, si c'est pour être là mais ne pas se parler, avaler vite un repas et ne rien avoir à se dire, parce que titillez-le un peu. Oui. Qu'au fond, vous avez aussi une vie, et puis il va peut-être se demander qu'est-ce que vous faites, comme ça, quand vous sortez, que vous voyez des amis, enfin, vous voyez, provoquez-le un peu. D'accord, parce que je lui dis bien que, bon, de temps en temps, je vais au cinéma avec des copines, bon, mais ça le dérange pas du tout. C'est... Non, mais vous n'êtes même pas obligé de venir, on dit je sors avec des amis. Mm-hmm. Cinéma, bon. Oui. Non, dites je sors avec des amis. Mm. Vous lui en dites pas trop. Oui, d'accord. Tiens, j'ai un dîner, je sors. Ouais. Et vous lui dites, disons, bah, moi, t'es devant ton PC, passer la soirée devant le PC, ça m'amuse pas. Enfin, voilà, de toute façon, tu es là sans être là. Voilà, oui. Vous lui avez dit déjà X fois. Je lui ai déjà dit, oui, oui, oui. Alors après, je sens que quand je lui dis ça calmement, il se rend compte qu'effectivement, bah oui, oui, c'est. Mais ça repart après, quelques temps après. Ça, c'est vraiment quelqu'un que je considère vraiment comme personnel. Alors, je reçois un message du subversif qui dit « Le PC est le sauf-conduit contre une libido sur laquelle vous avez mis la main. Valoriser sa virilité. » Mais je ne sais pas, en quoi vous auriez mis la main sur sa libido. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, là, l'ami le subversif. Non, parce qu'effectivement, vous pourriez faire en sorte que il ait envie de passer les soirées autrement que sur son PC. Mais enfin, vous pouvez pas non plus tous les soirs lui faire, voyez, sortir le grand jeu. Certains soirs, vous pouvez. Oui, 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 mais bon, il y a. Mais vous pouvez pas tous les soirs. Il faut un petit peu que vous lui échappiez, je pense un peu. Oui. Soyez. Part en week-end sans vous, bon, et... mais c'est normal, hein, au bout de 15 ans aussi, Martine, c'est pas... Oui, ouais. Bon, il est un peu personnel, vous le changerez pas non plus complètement. Ça, hein. J'ai compris, ça, je vois, mais je sais pas, il était pas comme ça avant, ou alors peut-être que moi, je le percevais pas comme ça. Peut-être. Et là, je me dis, ben, passer des soirées toute seule, eh ben, autant que je sois toute seule, et puis j'aurai moins de ménage à faire, j'aurai moins de vaisselle, moins de lessive, et puis... Oui, enfin, vous dites ça, mais pas forcément ça, mais... l'idéal non plus. Hein. Non plus, mais... Comment est-ce que titillez-le, provoquez-le un peu, puisque vous vivez mal d'être seule comme ça, profitez-en pour sortir, pour faire des choses avec des amis, pour voilà, sortir un peu de votre côté, échappez-lui un peu. Qu'il a envie de sortir de son PC. Bah oui, oui. Essayez, en tout cas. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas. Je peux pas non plus faire un scandale tous les soirs. Non. Et je vais pas non plus l'empêcher. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Non, ça n'aurait pas de sens. Vraiment. Non, et puis du coup, il n'aura pas envie de passer ses soirées avec quelqu'un qui crie. Ça rejoint le témoignage de Philippe. Donc non, non, pas du tout. Non, vous absentez, vous faites joli, vous sortez, vous venez toujours avec des amis. Oui. Ça va le titiller un peu, voilà. Se demander où vous êtes. Ben voilà. Comme voilà, par exemple, là, il est parti ce matin, donc pour son week-end. Oui. Ce matin, je lui ai dit, mais tu t'en vas, mais tu me poses même pas la question ce que je fais ce week-end, ça t'est égal, enfin si tu t'en fiches, tout ça, mais il me dit mais non, mais tu mélanges tout, pas du tout, mais c'est ma soirée, mon week-end était prévu comme ça, arrête de te mettre en colère, et puis du coup ça, je suis partie, vrai, j'étais vraiment en colère, et puis mais vous devriez vous prévoir un week-end vous aussi avec des amis, ouais. Ou un week-end quelque part où vous partez faire une petite thalasso, faire quelque chose, voilà. Au lieu de, vous voyez, partez de votre côté aussi. Voilà. Donc, du coup, après, ça m'a mis mal ce matin. Ouais. Et je l'ai rappelé en m'excusant. Non, il ne faut pas. Non. Alors, il m'a dit, ben oui, je comprends. Il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Il faut... Oui, ben vous lui avez dit. Donc, s'il ne l'applique pas, vous sortez un peu de votre côté. Et après voilà. Et après, ben, à mon avis, il va réagir, monsieur. D'accord. Bonne chance, Martine. Merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, Muriel. Muriel, ça m'a resté 5 minutes, allô. Pardon. Allô. Allô. Oui, allô.
Oui, Muriel, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, il nous reste, je venais d'appeler par mon portable le standard. J'ai un problème qui va pas sensibiliser les gens, excusez-moi. Oui. Beaucoup. Mais bon, j'ai heureusement répondu à une émission de Faustine. J'écoute Europe 1 toute la journée. Faustine oui. Bollard, bien sûr. Mmh. Et voilà, j'ai vécu avec une amie pendant 5 ans. Nous avons eu un... Entre autres, j'avais déjà acheté un chat avec facture ou autre, peu importe, mais sur les quais de Paris. Et nous sommes séparés il y a 2 ans. Elle vient de me recontacter et maintenant elle veut la garde de mon petit chat. Mmh. Elle a pris un avocat pour avoir la garde de Chouane, puisqu'elle a des photos comme quoi ils étaient ensemble ou autre, pour me faire suer, parce que en fait, c'est moi qui l'ai quittée. Dès qu'elle a rejoint elle a rejoint une certaine association dont mmh. tous nos présidents ou, vous voyez, enfin, comment vous dire que je ne citerai pas. Mmh. Mais je pense que vous avez complètement compris de quoi je parle. Attendez, même Mitterrand ou autre faisait partie de cette organisation. Non, non, mais on ne va pas en parler là. On ne peut pas. Bon, non, de ce jour, de elle a parler, complètement non. changé. Oui. Donc nous nous sommes, mais justement, c'est pour ça que je ne veux pas citer. Mmh. De ce jour, elle a changé énormément et nous nous sommes séparés. Et là, elle vient de me rappeler, il y a un mois, ça fait un mois que j'essaye de vous joindre et que je laisse des messages. Et il y a un mois, elle vient de me rappeler en me disant que maintenant, elle voulait la garde de mon chat persan, l'aîné, Chouane. Elle a pris un avocat, elle a pris des photos... 10 ans qu'il était, parce que j'habitais chez elle pendant 6 mois d'année et chez moi à Courbevoie pendant 6 mois aussi. Et elle a pris des photos, j'ai 2 autres chats depuis, qu'elle a connus bien sûr. Mais elle est partie avec ou... Non, non, ils sont chez moi, il est chez moi, Chouane. Mm. Mais j'ai adopté une petite chatte tigrée malheureuse qui partait à la SPA. Oui, mais elle n'a pas, après tout, ce chat qui l'a acheté, qui l'a... Mais c'est moi, justement, j'ai les factures. Eh bien alors, elle ne peut pas vous le prendre. Mais elle a vu un avocat qui a contacté... Non, 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 il n'y a aucun souci, Muriel. Si vous avez la facture, vous êtes la propriétaire. Alors, je suis allée chez mes vétérinaires en larmes. Oui. Parce non, que non, c'est moi qui fais les chèques, c'est moi qui ai fait stériliser mon fils. Quand je dis mon fils, pardonnez-moi, hein, ça va choquer les gens. Disons plutôt mon chat, parce que ça va quand même, stériliser les gens. Oui, parce que surtout en parlant de stérilisation. Non, mais, non, mais Muriel, donc, Muriel, dans la mesure... Donc, elle veut absolument régler... Muriel, bon, elle cherche à régler des comptes avec vous. Dans la mesure où vous êtes propriétaire, enfin, je veux dire où vous avez les factures... Non, vous avez raison, c'est clair. Où vous avez gardé les factures, elle ne peut rien. Elle ne peut elle a payé... Non, non, quand on habitait chez elle, elle a payé aussi quand même des soins vétérinaires. Mais peu importe, c'est vous la propriétaire officielle du chat, Muriel. Il faut vous apaiser. Si jamais elle prend mon chat, j'en ai 2 autres. Hein, mais mais Muriel, là, Muriel, il faut vous apaiser. Là, elle est en train de, elle vous fait payer votre rupture. Mais donc attendez, elle est en train, Muriel, apaisez-vous. Elle est en train de, elle a pas supporté que vous la quittiez. Donc elle veut vous faire du mal. Elle y arrive très bien. Ah bah, de toute façon, la preuve, regardez. Muriel, regardez l'état dans lequel vous vous mettez. Dans les faits, je peux vous assurer que dans la mesure où vous avez une facture, où c'est vous qui avez acheté ce chat, vous en êtes la propriétaire, elle ne peut rien faire. Donc apaisez-vous, elle vous fait peur, elle vous intimide. Mais oui, mais que prenne un avocat. Mais vous savez ce qu'elle va faire? Elle va perdre des sous. Et puis voilà. Mais attendez-moi du coup. Elle va perdre des sous. Non, mais elle en plus, elle est médecin ORL, elle a beaucoup de fric. Oui, qu'elle ait beaucoup d'argent. Moi, je suis obligée de prendre un avocat commis d'office. Non, 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 non. Vous n'allez pas vous lancer là-dedans, Muriel. Elle veut vraiment vous ennuyer, pour ne pas dire autre chose. Elle veut vous faire du mal. Elle y arrive très bien. Il faut vraiment que vous apaisiez. Elle va surtout dépenser son argent.
elle va surtout dépenser son argent. Et vous, il faut que vous vous calmiez, que vous vous apaisiez. Gardez surtout précieusement les factures. Voilà. Et l'avocat, bah oui, il la laisse venir parce que bah ça va faire de l'argent. Mais vous savez, il y a des avocats qui vont lui dire, des avocats vraiment sérieux, qui vont lui dire, écoutez madame, non, on peut rien faire. Apaisez-vous, Muriel, vraiment. Calmez, séchez vos larmes et rassurez-vous, vous garderez votre chat auquel vous tenez beaucoup avec vous. Bonne nuit.